Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire la passion que j'ai toujours voulu, transmettre aussi certains messages aux plus jeunes, aux plus âgés, partager des moments de vie, des expériences, des échecs et aussi les victoires. Un groupe d'amis, on est 8 exactement, de différentes cultures, de différents horizons d'Afrique, mais on est réunis face à un même objectif qui est le respect, la solidarité, la fraternité, et la confiance. Donc voici la Dima la Guêpe. Tout ce qu'on fait, c'est ensemble et ça ne bouge pas depuis 15 ans. On n'a jamais changé notre manière de penser et notre état d'esprit. Donc voici devant vous la Dima la Guêpe. Mais dans Dimala, on a nos propres artistes et nos propres showman. Moi-même, je suis un showman, mais on a notre artiste. C'est le grand des grands. Doudou, tu sais qui je vais appeler. Là, il faut chauffer la salle. Parce que là, celui-là qui arrive, c'est un très très grand Congolais, le dernier des Congolais, le super Congolais, Rico.
Merci Mounès. Merci à tout ce beau public. Merci à Kader, à tous les artistes présents pour donner un cachet spécial à cette cérémonie. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Son Excellence Madame Kadia Camara, aurait bien voulu être parmi vous ce soir pour ensemble avec vous tenir cette sympathique cérémonie, sauf que son agenda l'a empêché pour une indisponibilité dépendante de sa volonté. Elle a bien voulu donc nous voir pour vous livrer le petit message qu'elle a bien voulu nous donner pour donner à l'ensemble des populations ici présentes. Présente au Qatar en mars 2022, à l'occasion de la 20e édition du Forum de Doha, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a tenu à rencontrer l'ensemble de la diaspora ivoirienne, comme partout où elle se rend en visite, pour repositionner la diplomatie ivoirienne. Avec pour mission principale de passer désormais de la diplomatie politique à la diplomatie économique. Sauf qu'à Doha, quand nous étions ensemble, puisque j'ai eu l'occasion de l'accompagner, dans la capitale publicitaire et autres influenceurs, d'exprimer leur talent autour d'une marque qui les unit et d'y joindre également les hautes personnalités politiques et des investisseurs présents ce soir est une initiative salutaire. Vous aurez besoin d'elle. Elle est prête à vous accompagner dans cette initiative quand vous voulez, quand vous voulez. Merci bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles. Coquina, comme il s'en est à faire ma boulet.
Thank you.